C'est vraiment un grand honneur et une joie pour moi de te voir en cette conférence digitale. Nous avons eu ce partenariat depuis l'Université d'Oslo. Nous travaillons au travers d'une collaboration depuis un fort moment pour voir comment renforcer les liens. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous joignent de par le monde entier. J'aimerais commencer en remerciant l'Université d'Oslo qui fait un travail fantastique également. L'OMS est chanceuse de prendre part à ce partenariat dans tout le travail que vous faites. Vous êtes en train d'améliorer la routine du système d'information sanitaire, non seulement dans l'optique de la collecte ou du rapport des données au niveau des districts, au niveau national, mais aussi se focalisant sur comment les données sont utilisées en vue d'améliorer les performances sanitaires en ce qui concerne les patients, comme nous l'avons fait. Je pense que ceci sera vraiment important si nous sommes capables d'être sérieux dans notre mission en vue d'avoir la santé à tous. Parce que sans un système de santé primaire, ne seront pas capables d'atteindre la promesse de couverture sanitaire universelle. L'autre aspect qui est important, c'est comment intégrer les différents thèmes dans les différents domaines dans lesquels les données sont collectées dans plusieurs pays. Hier, Marc nous a présenté des statistiques époustouflantes en termes de pays, en termes de personnes qui ont accès et qui ont intégré ce système en utilisant ce mécanisme interglobal de DHIS2. Alors, cela est très important et comment est-ce que nous pouvons amener cette intégration ensemble? Parce que si nous voulons atteindre le niveau des pays, améliorer le système de santé sanitaire, pendant que nous avons des domaines spécifiques qui ont besoin d'être améliorés, nous devons également nous assurer comment intégrer cela en termes de données les nécessaires en matière de services de soins. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est ce qui suit. Utilisant la plateforme de DHIS2, nous sommes vraiment rapides à la réponse vis-à-vis de la pandémie. Et le premier était lorsque nous avons établi le système d'études de mortalité. Et vous savez, au début de la pandémie, c'était vraiment difficile de traquer les données. Et maintenant, il est impressionné de voir comment DHIS2, en tant que plateforme, peut se mettre en œuvre dans des situations d'urgence. Et nous le faisons également pour la vaccination. J'aimerais nous défier tous en vue de voir comment est-ce que nous pouvons également introduire d'autres ensembles qui ne font pas encore partie de DHIS2 comme le package NTP, également d'autres facteurs reliés à la mortalité prématurée. Je pense que ceci sera extrêmement important comme nous avons les maladies infectieuses dans des pays qui sont en train de devenir un fardeau de maladies infectieuses, tout comme les maladies non transmissibles. À partir de la perspective de l'OMS, nous sommes en train de mettre plus l'accent dans le soutien accordé aux pays en vue d'améliorer leur capacité de système d'information sanitaire. Et à partir du paquet de systèmes d'information sanitaire, le système de routine d'information, ceci est très important pour l'OMS et nous sommes prêts à soutenir vous, votre travail, votre pays et travailler de plus proche avec l'Université d'Oslo et les partenaires. Et j'aimerais également remercier le directeur général et également le soutien que Nora donne à ce travail ainsi qu'à un nombre de pays en avançant ce travail à un niveau supérieur. Finalement, à ce point, nous avons encore pratiquement 9 ans pour atteindre
nos objectifs que nous avons fixés, le temps est maintenant de revenir dans la course et accélérer le progrès, le processus. Et nous avons besoin de savoir comment est-ce que nous pouvons aller plus loin dans les investissements. Et sans les données, nous ne pouvons pas être capables de le faire, ni d'améliorer la qualité des soins. Alors, DHIS2 devient de plus en plus important et nous cherchons à adopter les meilleures pratiques qui émergent du monde de ce que nous faisons afin que l'OMS puisse amplifier cela et le rendre disponible comme des études de cas qui peuvent être reproduites dans tout système. Alors, nous espérons amplifier votre travail, vos recherches et nous espérons également prendre part à cette recherche qui va plus loin ensemble. Alors, comptez sur l'OMS, comptez sur notre équipe pour n'importe quel soutien dont vous avez besoin et nous espérons continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup pour cette opportunité. La parole est à vous maintenant. Merci beaucoup, Samira. Nous apprécions beaucoup le partenariat avec l'OMS et le travail que vous faites avec les objectifs de développement durable. Donc, nous espérons toujours être en contact avec vous et nous sommes vraiment honorés d'avoir un médecin qui nous a rejoint aujourd'hui depuis l'OMS. Elle est en charge de l'un des programmes de l'OMS. Nous avons le plaisir de travailler en collaboration étroite avec elle. Et depuis les derniers mois, et nous voyons l'approche idéale pour pouvoir mettre en place ces différents organismes dans les pays. Et les différentes étapes tactiques à suivre pour pouvoir mettre à la disposition de tout le monde les packages nécessaires qui résultent de ce partenariat. Merci beaucoup de nous rejoindre, docteur. C'est pour moi un plaisir de vous faire cette présentation concernant concernant le COVAX. Je suis juste surpris que, comme Samira le disait, la rapidité de la réactivité en matière de DHIS2 était très impressionnante et nous espérons et nous encourageons chaque module là-bas. Maintenant, nous allons voir quelques diapos présentement en matière du déploiement du vaccin de COVID-19 et faire comprendre que chaque module est disponible dans DHIS2 et nous allons parler de ce que la plateforme DHIS2 peut faire en matière de COVID-19. Donc, le groupe pour lequel je travaille a beaucoup travaillé, a beaucoup acté pour que les choses se passent très bien. Le directeur général de l'OMS a récemment demandé aux pays membres de tout faire pour pouvoir apporter leur soutien en matière de vaccin de COVID-19 pour atteindre au moins 10% de vaccination d'ici la fin de septembre et 30% d'ici la fin décembre. Plusieurs activités ont été menées dans plusieurs pays et même surtout dans les pays à revenus faibles et revenus intermédiaires. C'est un objectif primordial. Nous avons besoin de pouvoir faire les administrations des vaccins. Donc, il y a un engagement très poussé de notre part sur le plan mondial pour pouvoir rendre disponibles les doses pour
les deux vaccins que nous supportons pour le moment. C'est très encourageant pour le moment. Et pour être capable de repousser cette pandémie, il faudrait bien utiliser les différents outils qui sont disponibles pour le bien-être de la planète. Donc, c'est ce qui nous aiderait pour revenir dans une situation tantinet normale et remettre les économies sur les rails. Le FMI a fait un calcul de 50 milliards d'investissements en dollars. Et 9 billions de dollars pour les prochaines échéances. Donc, pour nous dire là où nous en sommes pour le moment, nous avons 2,625 millions de doses disponibles et qui ont déjà été administrées dans 215 pays et territoires. Et nous continuons cela. Et c'est sans cesse croissant. Voici la carte et vous pouvez voir les parties les plus vertes. C'est les parties où le vaccin, plusieurs personnes n'ont pas reçu de vaccination, comme en rapport avec le nombre de populations. Pour ce qui est des solutions numériques, nous avons commencé à cela il y a de cela 6 mois, quand nous avons essayé de voir les outils qui pourraient soutenir les pays pour que ces derniers puissent être efficaces dans la distribution des vaccins COVID-19. Quelles sont les solutions pour apporter notre soutien aux centres de santé durant cette pandémie? Nos difficultés, nos défis, c'est que nous savons que dans les pays à revenus faibles et revenus intermédiaires, les systèmes sanitaires ne sont pas au point et cette pandémie est difficile pour ces pays-là à gérer. Et personne n'a pu anticiper sur la vitesse d'administration de ces vaccins dont il est question dans ces pays à cause du système sanitaire faible. C'est une entreprise extraordinaire quand ils ont réussi quand même à pouvoir gérer certains vaccins dans certains cas d'infection. En ce qui concerne la sécurité et puis les soins, tout est en train de s'améliorer grâce aux outils numériques que nous avons à notre disposition. Et c'est ça qui nous permet aussi de prendre des dispositions très rapidement pour pouvoir rendre disponibles les différents systèmes que nous avons à notre disposition. Donc, plusieurs pays se sont mis ensemble et il y a le groupe qui s'appelle le groupe de travail d'innovation en matière de COVAX, qui travaille aussi en collaboration avec l'UNICEF, Gavi, BMGF, la Banque mondiale, le Fonds mondial aussi nous a rejoints. Donc, ça signifie que c'est une coordination de plusieurs grands groupes. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est quels sont les outils dont on a le plus besoin pour pouvoir surpasser cette difficulté. Les outils que nous avons, il y en a 7 au total que nous avons jugés pertinents et nous sommes en train de travailler dans tous ces domaines pour pouvoir améliorer l'utilisation de ces outils. Premièrement, en matière de planification, c'est très important pour nous de pouvoir prendre nous avons quelques problèmes techniques, attendez pour le moment.
Il y a ce module qui est utilisé par beaucoup de pays, qui a été développé par l'OMS. Et parce que le tracking de ce nouveau vaccin est très important. Nous avons besoin d'avoir toutes ces données-là en main en vue de conseiller les pays à mettre en place le système de sûreté qui sera là. Il y a également une formation de plateforme électronique qui nous permet d'arriver là-bas plus rapidement. Tout ceci, c'est un travail que nous devons organiser, un formulaire. Et certaines des contributions de tout ceci sont présentées ainsi. Premièrement, félicitations alors, au département de DHS2 pour le webinaire régional qui a été organisé. Envie d'être capable, je ne sais pas trop, au-delà de 30 pays qui sont en train de suivre ce modèle. Et il y a également cette approche digitale que nous utilisons. Et une partie de DH2 a été vraiment capable d'utiliser cette plateforme. Et il y a également eu un travail avec l'UNICEF. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et nous travaillons en collaboration en vue d'aider et soutenir la lutte contre le COVID-19 de façon générale dans tous les pays en utilisant les différentes données que nous avons en faisant ce séminaire de façon mondiale afin de mettre en place des choses qui ne sont pas encore implémentées et des innovations, des outils digitaux. Et nous savons également de façon générale comment la planification a été de façon grandiose. Comment les différentes équipes ont contribué à cela? L'un des outils que j'essaie de faire ressortir, alors ici, c'est le travail de collaboration avec l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Alors, l'UNICEF travaille de façon quotidienne avec l'OMS pour être capable de coordonner, travailler et répondre. Particulièrement maintenant, quels sont les moyens, les technologies digitales qui peuvent soutenir les systèmes de santé maintenant dans le contexte de la pandémie? Spécialement, comment est-ce que nous pouvons travailler et mettre en place un système plus mature? Alors, ce monde de système sanitaire digital a plusieurs partenaires. Non seulement l'OMS ou l'UNICEF, mais il y a également le soutien de plusieurs donneurs. Ce sera également très important si dans votre réseau également vous pouvez savoir comment est-ce que les pays s'y adonnent. Nous savons qu'il y a beaucoup d'outils et nous allons voir comment est-ce que les pays peuvent faire leur propre choix. Mais des fois, il est bien d'avoir une liste générale, des moyens digitaux déjà prouvés, testés, qui ont des évidences, qui ont été efficaces, qui ont été prouvés au fil du temps, qui ont été utilisés par DHIS2 et qui peuvent soutenir dans la prise de décision et dans l'implémentation des moyens digitaux. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Je pense que c'est pour moi, un grand plaisir de rester là et écouter aujourd'hui et demain. J'étais vraiment impressionné par le travail de DHIS2. Je peux voir aujourd'hui que c'est vraiment une contribution énorme dans la lutte contre le COVID-19 et la livraison des vaccins. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez pris le temps de nous joindre et je sais que la communauté a beaucoup bénéficié de cela. Nous avons vu les buts établis, comment est-ce que nous pouvons travailler pour pouvoir avoir le vaccin, lutter contre les maladies transmissibles et atteindre le niveau plus haut.
Aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur le COVID-19 qui a été également le sujet principal dans la conférence de l'année passée, mais nous allons voir également le système de surveillance routine. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place un système de données qui peut travailler de façon intégrante avec les modalités disponibles? Nous allons voir également les outils préventifs, c'est-à-dire les vaccins pour prévenir le COVID-19. Voyons comment ce système a évolué vis-à-vis du vaccin du COVID-19. Et nous savons que cela repose sur le travail de plusieurs années et avec, en collaboration avec les ministères et mettre en place un système de vaccination générale. Et pour les sessions d'aujourd'hui, nous devons recevoir des représentants des pays qui ont mis en place un système qui a été vraiment efficace. Donc, premièrement, j'aimerais introduire quelqu'un depuis la Sierra Leone qui a travaillé dans ce domaine en Sierra Leone. Et vous savez que Sierra Leone a été vraiment capable de mettre en place un système, également d'intégrer les aspects du vaccin du COVID-19, également le système de tracker. Alors, nous lui passons la parole pour la présentation. Merci. Merci Rebecca. Je vais partager mon écran. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Je suis en train de faire la présentation de la part de la Sierra Leone et comment est-ce que nous travaillons en collaboration avec l'OMS et mettre en place le système de livraison de vaccins contre le COVID-19. Façon originale, nous avons déjà un système de surveillance intégré sur la base des cas et nous sommes en train d'élargir cela pour couvrir le COVID-19. Alors, qui est une plateforme HIS2 et depuis que nous avons cela, depuis le début de la pandémie, nous devons mettre en place des données des voyageurs qui viennent au travers des voyages aériens, des voyages routiers, mettre en place des systèmes d'études de maladies complets, le COVID-19, qui nous suivent. Les données sur la quarantaine, la gestion des cas. Alors, nous avons bâti sur cela. Nous étions capables d'ajouter les outils de collecte des données et nous utilisons cela pour la collecte de données. Au même moment, nous avons des outils de visualisation. Nous pouvons voir un exemple du graphe que nous avons, les sources de données que nous avons recueillies, y compris la transmission et autres. Avec le paquet de vaccins, nous avons commencé en janvier 2021, il y avait un planning stratégique. Nous devons mettre en place comment la DHIS2 pouvait être utilisée pour avoir les données du vaccin du COVID-19. Et le groupe de travail technique était émerveillé de comment DHIS2 a pu collecter ces données et ils étaient capables d'approuver DHIS2 pour ce travail. Et nous sommes allés plus loin et configurer le système avec le package de l'Université d'Oslo, avec le système d'immunisation générale que Sierra Leone voulait. Alors, de là, en mars, nous avons pu être capables de faire un exercice de simulation et un lancement de vaccin. Et jusqu'alors, nous avons la collecte des données et l'analyse des données pour pouvoir formuler cette décision. Alors, nous allons voir l'utilisation des données. Et puisque la collecte de données a été faite de façon générale à chaque niveau. Comment la gestion des médicaments d'urgence est également. Également, félicitations. On a reçu des messages de félicitations. On a envoyé des messages de félicitations des clients qui ont également complété les différentes doses pour déterminer la prise des vaccins. Cela se fait au niveau de tous les districts. Nous avons fait l'utilisation des données pour mobiliser l'équipe de
gestion sociale, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent convaincre les gens à prendre le vaccin, également compléter les différentes doses. Nous avons pu être capables de gérer cela et avoir le rapport de la situation. Alors, voici la présentation des données. Alors, le but principal était d'avoir l'enregistrement de tous les groupes à tous les niveaux. Comme vous avez vu au niveau de l'ancienne démo, nous avons vu le niveau des patients, les données générales, c'est-à-dire le système de vaccination. Les données sont collectées en ligne ou bien en dehors des données Internet, c'est-à-dire en utilisant des données cellulaires. Ceux qui n'ont pas l'Internet, ils peuvent le prendre de façon sans utiliser les données Internet lorsqu'ils ont la connectivité qui n'est pas disponible. Comme dans la démo précédente, nous devons envoyer des messages de rappel. Alors, pour ceux qui doivent prendre leur deuxième dose, et ceux également qui sont prêts à le faire. Également, les enregistrements qui ont été mis en place dans le système de registre du vaccin. Comme vous pouvez le voir dans le système qui a été séparé du registre du vaccin, le Sierra Leone préfère avoir cela de façon intégrée dans le registre de vaccins afin de continuer à surveiller l'évaluation des vaccins. Et les données qui ont été collectées ont été analysées et nous utilisons cela pour faire le rapport à l'OMS, au Conseil de décision africaine, également pour faire un planning dans le pays en ce qui concerne la lutte contre le COVID-19. Alors, nous utilisons ce package-là pour concevoir la collecte des données. Nous avons pu être capables de mettre en place des outils de collecte des données, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et voici les images de comment les données sont collectées en utilisant l'application mobile sur le terrain, sur les différents sites. La réalisation que nous avons eue jusqu'à maintenant, c'est que nous avons pu mettre en place de façon électronique 36 sites de vaccination électronique et ces sites-là ont couvert plus de 16 districts dans tout le pays avec plus de sites qui se trouvent à Pétain, c'est-à-dire la capitale, et le processus de vaccination s'améliore et cela a duré plus que prévu. Le plan initial, c'était que cela serait un projet à court terme, mais cela a duré plus que prévu. Alors, le processus est toujours en cours depuis mars. Et chaque site de vaccination a un système de collecte de données. Alors, c'est très facile de transférer les données vers les différents niveaux. Le pays préfère avoir un système d'enregistrement de données sur papier et également un système d'enregistrement électronique. Donc, nous gardons le système de données sur papier de façon réelle. Et nous avons pu être capables d'intégrer ce système dans le programme du registre du vaccin. Nous avons premièrement eu des défis et nous avons eu à mettre cela de côté d'abord, mais nous avons eu à réintégrer cela après. Nous avons vu les différents cas qui se sont produits, le système, les maladies ont été bien gérées et nous avons vu comment les données ont été utilisées pour gérer les maladies, comment est-ce que nous pouvons prendre des décisions sur la suite, le suivi. Alors, nous voyons comment les régions reçoivent les différentes doses, comment les groupes sont bien gérés. Les différents groupes qui ont déjà reçu le vaccin. Alors, les situations qui ont été développées à partir de ces données ont été disséminées à différents niveaux selon les pays. Et nous avons pu être capables d'incorporer les variantes du vaccin.
dans le système afin de toujours être capable de traquer les infections, les problèmes qui peuvent résulter des différents vaccins déjà pris. Nous avons un message de rappel qui est envoyé aux clients pour leur rappeler la deuxième dose. Voici un exemple qui dit clairement, lui donne le lieu, le site du vaccin, là où elle va aller prendre la deuxième dose. Là où ils peuvent le faire sur les sites de vaccination de par le pays. Et tous ces sites-là sont communiqués de façon assez. Nous avons également le message de félicitations qui est très important et cela a été un élément motivateur aux gens, ce qui permet de pousser les gens à aller se vacciner. Nous envoie toujours des messages de félicitations. Alors, à ceux qui ont complété la deuxième dose, nous avons également la carte de vaccination qui est utilisée pour traquer les vaccinants lorsqu'ils retournent pour la deuxième dose également pour vous électronique. Nous avons également la carte de vaccination. Premièrement, nous avons eu quelques défis que nous n'avons pas pu implémenter cela en même temps. Donc, nous avons plus maintenu la carte de vaccination manuelle. Alors, pour pouvoir améliorer nos capacités, nous étions capables de faire des formations dans nos districts régionaux. Après cela, dû à certains quelques défis, nous n'avons pas pu soutenir cette approche au niveau la capture des données électroniques. Donc, nous avons eu à mettre en place un manuel d'utilisateur. Également, mettre en place des vidéos spécifiques pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place la prise de la deuxième dose. Également, les données liées aux maladies qui sont susceptibles d'apparaître, les défis qu'ils peuvent avoir en utilisant le système. Nous avons eu l'utilisation des groupes WhatsApp. Et nous avons pu être capables de suivre tous les défis que les gens ont eus après le système. Nous avons eu également quelques défis dans la fonctionnalité des messages, mais cela a été résolu. Pour l'utilisation des données, nous configurons les indicateurs. Nous utilisons une partie des indicateurs qui vient avec le paquet, mais également, nous avons mis en place d'autres indicateurs qui ont été exigés par le programme de mise en place de vaccination. Voici les indicateurs routines que nous avons mis en place pour pouvoir faire le rapport des situations qui sont transmises rapidement. Nous avons un tableau de bord interactif pour le développement des programmes afin de continuer à surveiller les personnes formées également les données de la vaccination qui circulent dans le pays. Au niveau des différents niveaux des régions, nous utilisons également des applications pour la visualisation au niveau des districts afin que les données soient de qualité. Alors, voici le tableau de bord interactif du vaccin qui est utilisé pour surveiller, pour contrôler la vaccination de par le pays. Toutefois, nous avons eu quelques défis. Le premier, c'est que on n'a pas pu préenregistrer tous les groupes dus au fait qu'il n'y a pas eu les informations prises de façon régulière au début. Également, nous avons vu les groupes prioritaires qui n'ont pas vraiment pris la dose de vaccination requise. On a permis également aux gens qui sont intéressés de prendre le vaccin. Et les données enregistrées sur le papier de façon électronique rend le travail un peu lent. Donc, c'est quelques pas que nous avons eus. Nous avons également eu quelques difficultés dans le traitement des données. Éventuellement, nous avons pu régler tous ces problèmes-là et être capables de suivre également la
La gestion des données n'a pas pu être faite de façon régulière et enregistrée dans le registre du vaccin. Donc, cela n'a pas été vraiment incorporé dans le système au début. Le système est mis en place, configuré, mais il y a très peu de districts qui nous font les rapports. Donc, cela est difficile au niveau national d'avoir une idée générale des données. Des fois, il y a les districts nationaux qui n'ont pas pu mettre en place la bonne gestion du manuel, c'est-à-dire la gestion des données sur le papier a été un peu confuse à certains niveaux qui n'ont pas pu nous permettre de reprendre cela au niveau national. Est-ce que nous utilisons? C'est plus croyable. Alors, également la dépendance des données Internet, le fait qu'ils doivent synchroniser leurs données avec le gouvernement a eu à mettre en place les données cellulaires. Mais cela n'a pas été bien utilisé par moment. Et il y a quelques opérations qui ont eu à faire entrave à la gestion de ces données, ce qui a rendu le travail un peu difficile par moment. Les pas suivants, c'est que nous voulons incorporer également les données du vaccin d'Ebola dans le registre, alors afin que les gens puissent être à la fois enregistrés pour le vaccin Ebola et le vaccin COVID-19. Là sera un travail avec cela parce qu'il y a eu l'apparition d'Ebola à côté en Guinée. Donc, la Sierra Leone prend des mesures pour un vaccin contre Ebola. Et voici ce que nous essayons de mettre en place. Nous essayons de faire une évaluation sur la gestion, l'évaluation pour évaluer les maladies, les problèmes qui sont liés à la gestion des vaccins, mettre en place cela afin de transmettre cela aux autorités sera l'erreur, afin d'être capable de communiquer, avoir les mêmes informations en un seul endroit. Nous sommes également en train de voir comment est-ce que le système de gestion que nous essayons de traiter avec l'OMS soit synchronisé de façon générale. Directement ou indirectement, la donnée de registre de vaccins pour les voyageurs internationaux, nous devons nous assurer que le passeport de vaccination sera néanmoins soit reconnu. Comme nous l'avons espéré, nous essayons d'incorporer tout cela à notre système de gestion digitale nationale et intégrer beaucoup d'applications dans cela, alors pour les voyageurs internationaux qui s'enregistrent pour leur test COVID-19, etc. Nous avons la gestion des sites de quarantaine, la gestion des données, beaucoup d'autres aspects qui peuvent être incorporés. Nous sommes en train de voir comment intégrer la plupart de ces applications dans le système de surveillance de gestion des données générales, afin que tout cela soit dans la base de données. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir bien voulu partager tout cela avec nous, Brigitte. Nous avons beaucoup à apprendre de l'utilisation des RGSE pour intégrer les différentes plateformes dont il est question en Sierra Leone. Nous avons réussi. Il faudrait que tout le monde garde en tête que toutes les données peuvent être utilisées par les programmes PEV aussi simultanément et même les programmes MAPI. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Maintenant, nous allons aller auprès de notre collègue qui vient de l'Éthiopie, qui va aussi nous parler de comment est-ce que ça se passe dans leur pays à l'est de l'Éthiopie. Donc, nous avons beaucoup à dire pour améliorer les boulots d'étranglement qui se trouvent dans toutes les communautés. Donc, il y a José et puis Malaika de HISP Éthiopie qui viendront faire leur présentation ici
parmi nous. Merci beaucoup, Rebecca. Malaika partagera l'écran. Et puis moi, Saïd Hussein, je vais faire la présentation. Donc, notre présentation est autour de l'agilité de DHIS2 en tant que solution adaptive pour la surveillance de la COVID-19 en Éthiopie. Nous avons beaucoup travaillé avec Oslo pour pouvoir mettre sur pied cet exposé. Donc, DHIS2 a été choisi pour la surveillance et la vaccination de COVID-19 et nous essayons de mettre cela en place pour faciliter la tâche. Donc, il y a un centre d'opération d'urgence qui a été mis sur pied par le centre de santé publique éthiopien pour répondre à la COVID-19. Et DHIS2 s'occupait des enregistrements, de la collecte des données et puis aussi de la notification des résultats. En ce qui matière d'enregistrement, c'est fait sur le terrain en utilisant Android. Et c'était un peu difficile avec l'usage du téléphone parce que la résolution n'est pas très bonne. Il y a 20 000 à 30 000 spécimens qu'on découvrait quasiment chaque jour sur l'ensemble du territoire et ce sont ces personnes qui venaient chaque jour pour faire leurs tests. Donc, ils venaient au laboratoire du centre de santé publique éthiopien dans la ville. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée un peu plus précise de la question. En fait, jusqu'à présent, nous avons environ 2 millions de tests qui ont été menés et 950 000 personnes ont reçu le résultat via SMS ou via des applications locales développées par des tierces sur le terrain. Et il y a environ 1 000 personnes qui ont été formées en matière de l'utilisation de la plateforme. Donc, premièrement, nous avons développé l'aspect import-export pour faciliter les captures. Il fallait tout faire pour faciliter la tâche à tout le monde et comme les apprenants étaient plus habitués à Excel, alors on prenait les résultats qu'on mettait sur la page Excel et ensuite c'est à partir de là qu'on essayait d'analyser les données. Donc c'est pour cela qu'il fallait bien mettre un accent sur l'aspect importation et exportation des données. Ce que nous avons fait, c'est qu'on s'est aligné avec leur manière de fonctionner. Et eux, il est vrai qu'ils n'étaient pas en mesure de générer les listes de manière automatique dans le format Excel. Et GHIS2 est venu les aider plus ou moins à sortir de ce contexte. Prochaine diapo. Les gens ont commencé, comme nous avons dit, après les formations du CDHIS2. Et il fallait obtenir une liste très facilement de TEI afin de pouvoir avoir les statuts de résultats disponibles. Et aussi, partant du fait qu'en Éthiopie, on n'a pas de carte d'identité nationale, en quelque sorte, pour pouvoir identifier tous ceux qui sont passés par faire leur test. Nous avons utilisé un modèle d'identifiant. Il était très difficile de
pouvoir avoir des résultats, mais c'était difficile de pouvoir y avoir accès parce que le système d'identifiant qu'il y a ne nous facilitait pas la tâche. Maintenant, prendre les données des événements pour les envoyer sur la TEI, c'était un peu très difficile pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on partait dans les organisations spécifiques, que ce soit un centre de santé. On part prendre les résultats et c'est de là que nous mettons les résultats sur la plateforme. Nous avons aidé maintenant les gestionnaires des données alors à identifier les différentes erreurs lorsqu'ils collectent les données de la manière traditionnelle en apportant notre DHIS2. Maintenant, en ce qui concerne les réceptions et les réceptions au laboratoire, l'application a été développée pour pouvoir agir comme une sorte de péage, donc un endroit pont. Nous avons vu que la capture des données était surchargée avec notre manière ancienne d'opérer. Quand vous prenez une ou deux données, en entrant dans la partie tracker, c'était très difficile pour nous parce que nous ne maîtrisions pas cela. Donc, nous avons créé une application parallèle nous permettant de pouvoir gérer ces spécimens de manière très facile. De manière plus pratique pour nous. Donc, nous avons plus ou moins adapté le DHIS2 à notre manière de fonctionner. Ce qui s'est passé, c'est que chaque spécimen que l'équipe de collecte apporte, comme maintenant, comme je suis en train de faire ma présentation, il y a des équipes qui apportent leurs résultats. Parce que durant la campagne, il y avait plusieurs équipes qui travaillaient sur le terrain pour que le spécimen soit approuvé. Donc, au début, ça nous prenait beaucoup de temps. Au laboratoire, nous avons créé notre application pour que les personnes qui travaillent à la réception puissent facilement enregistrer les différents spécimens qui viennent se présenter afin de collecter les données. Et c'est après avoir collecté les données qu'on commence maintenant à examiner les spécimens un à un. Comme il y avait aussi une copie du code-barre sur papier, c'était plus facile pour nous de pouvoir scanner les identifiants des spécimens qui venaient se présenter, vu la manière dont cela a été enregistré. Donc, l'application que nous avons développée pour la demande des laboratoires, elle nous permet de pouvoir bien examiner et pouvoir approuver les spécimens. Un à un. Le processus d'approbation ne prend pas beaucoup de temps. Avant, on prenait des minutes pour pouvoir identifier les spécimens. Maintenant, c'est une histoire de secondes pour pouvoir les examiner. L'application est également utilisée pour pouvoir capturer les résultats des données. Les événements sont collectés. Et les résultats sont rendus disponibles à tout le monde via DHIS2.
Donc, après avoir scanné le code barre, la personne à la réception avait juste besoin d'enregistrer le code barre du spécimen. Ici, on voit le processus d'approbation chez nous. Comme vous pouvez le voir, à la réception, on sélectionne l'organisation ou le programme qui est en haut à gauche. Ici, on a sélectionné Case-Based Surveillance et Follow-up Program, le programme de surveillance et de suivi basé sur le cas. Et maintenant, dans la partie Stage, on a le formulaire de requête des laboratoires. Et maintenant, pour le laboratoire, on a choisi Ethiopian Biotechnology Institute où on va sauvegarder les données. Après avoir choisi maintenant le nombre de jours, ça va lister tous les spécimens qui ont été enregistrés pendant ce nombre de jours-là. Tout ce que le réceptionniste a besoin de faire, c'est juste de scanner en cliquant plus tard sur Approve. Ensuite, premièrement, l'étape, comme je l'ai dit, vous cliquez sur Approve et ça prend peut-être une minute pour pouvoir afficher tous les spécimens qu'on a pu enregistrer pendant 2 ou 3 jours et après, ce n'est qu'une question de seconde pour cliquer sur scanner ou approuver selon vos dispositions. Donc, le spécimen est approuvé dans le laboratoire et l'équipe utilise maintenant cette information. Nous utilisons la même plateforme pour capturer les résultats. Donc, après, on sélectionne l'identifiant et puis on essaie de scanner pour voir les résultats. Donc, on crée l'événement pour voir les résultats, pour voir le temps de collecte des données, le temps de réception des résultats, et ça prend quelques minutes. Je vais vous montrer les impacts. Ça veut dire que DHIS2 nous a aidé à améliorer le temps qu'il faut avant d'approuver un test et aussi de pouvoir faire les captures des résultats en très peu de temps aussi. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il fallait aussi créer les événements de TEI dans Excel avant aussi de les renvoyer dans DHIS2 parce que les personnes ne sont pas très habituées à l'utilisation de DHIS2. Aussi, les données et la qualité des données ont été améliorées parce que le processus d'approbation a été réduit et amélioré. Ensuite, depuis la collecte des données, c'est devenu plus facile de pouvoir identifier les spécifiants. Voici maintenant le tableau de bord qui montre les résultats et les temps entre la collecte des données et puis la mise à disposition des résultats. Comme on peut le voir, il y a les visualisations différentes pour voir des différents mois qui se présentent, on voit les indices et puis on voit comment est-ce qu'on peut mener des enquêtes pour pouvoir améliorer la situation dans une zone donnée. Maintenant, en matière de certification,
Il fallait mettre en place un portail public en quelque sorte où les différents corps pouvaient vérifier et valider les tests, les certificats des tests négatifs. Aussi, il fallait signer les certificats qui ont des codes QR. Et aussi, on utilise la même certification pour toutes les vaccinations. Maintenant, parlant des notifications de SMS, il y a des résultats positifs qui sont communiqués via les téléphones après avoir effectué la consultation. Et chaque résultat négatif aussi a été notifié via SMS aux personnes concernées. Donc, voilà ce dont il est question en général. Pour ce qui est de l'intégration avec le système des tierces, il y avait des applications qui ont été mises sur pied par des parties tierces qui nous aidaient quand même à pouvoir bien travailler et à mieux assister le reporting de chaque individu et ça nous aidait aussi à pouvoir s'évaluer de manière appropriée. Donc maintenant, la machine d'intégration PCR aussi enregistre les données que nous avons de DHIS2. Donc maintenant, les perspectives, c'est qu'on a changé les exigences et les nouveaux défis nous ont poussé à avoir des solutions innovatives qui répondent de manière rapide aux urgences. Donc l'équipe RISP de l'Éthiopie travaille sur le développement, la personnalisation et le soutien pour la population. Et la gestion des données, les formations sont prises en charge par RISP, RISP Éthiopie, pardon, pour pouvoir communiquer avec les différentes localités et les former pour pouvoir vite avoir les informations. Nous avons apprécié la collaboration avec les participants qui nous a beaucoup aidés à pouvoir atteindre notre objectif. Donc, au nom de tout le monde ici à RISP Éthiopie et l'équipe DHIS2 ici, nous vous remercions de votre aimable attention tout le long de cet exposé, même si la qualité de son ne nous a pas aidé à mieux communiquer. Merci Saïd et tous nos présentateurs. Maintenant, nous allons faire une petite transition avant d'aller à la prochaine session. Je suis très honoré par la vitesse avec laquelle les équipes ont réussi à mettre en place la surveillance de la COVID-19 via DHIS2 et aussi en utilisant le système de routine qu'ils avaient chez eux. Merci à tout un chacun. J'espère que vous resterez toujours en ligne et qu'on pourra mieux discuter sur la communauté de pratique. Merci à tous. C'est la fin de cette session.